Parce que la question de savoir si la charge d'avocat seul ne me suffisait pas, j'allais dire que si j'arrivais à assumer convenablement la charge d'avocat, je dirais que ça peut suffire. Mais dans mes ambitions, je ne me limite pas à une seule charge, d'autant plus que pour mieux assumer la charge d'avocat, il faut la combiner avec d'autres charges. C'est en ce moment que vous allez pouvoir vous en sortir au mieux. C'est peut-être ça qui justifie la volonté d'aller apprendre de gauche à droite pour avoir un bagage beaucoup plus, je dirais, à la hauteur des attentes et mieux accomplir donc la charge de l'avocat. Alors, je dirais que c'est contribuer à un mieux-être de la société. D'abord, pour ce qui concerne la question de la gouvernance, j'ai fait mon 2A sur la gouvernance locale, parce que pour moi, la promotion du développement local commence par les communes. Donc, j'ai voulu, dès le départ, m'enquérir de comment la chose publique est gérée au niveau local. Et vous voyez, la protection des droits humains, c'est, je dirais, l'essentiel de la mission d'avocat pour moi. Donc, il me fallait m'outiller davantage pour avoir le bagage nécessaire pour défendre donc les droits fondamentaux. Parce que quoi que l'on dise, il faut d'abord vivre pour pouvoir faire tout le reste. Créer un cabinet d'avocats, ce n'est pas si compliqué. Une fois que vous avez été recruté comme avocat, d'abord vous êtes élève avocat, vous allez passer au centre de formation professionnelle des avocats. Ensuite, vous allez faire un stage de 3 ans et au terme de votre stage, si votre stage est validé, vous êtes inscrit au tableau de l'ordre des avocats et vous êtes donc désormais avocat titulaire. Et dès lors, vous pouvez ouvrir votre cabinet. Donc voilà la seule condition. Les conditions d'enquête, c'est déjà l'admission. Dès que vous êtes admis, il y a une enquête de moralité sur la personne que vous êtes pour connaître si on peut vous admettre dans la profession ou pas. Donc on n'attend pas que vous deveniez avocat titulaire pour chercher maintenant à savoir votre passé. Dès l'entrée, vous avez une enquête de moralité qui vous est collée et qui permet de savoir si on a affaire à une personne de bonne moralité qui peut embrasser la profession d'avocat ou pas. L'appellation, pour moi, importe peu. Ceux qui veulent m'appeler Maître Gitanga, ça me convient. Ceux qui veulent m'appeler Docteur Gitanga, il n'y a pas de problème non plus. Dans tous les cas, quand vous êtes titulaire d'un doctorat, convenablement, on vous appelle docteur. Et quand vous êtes avocat, on vous appelle maître. Et comme j'exerce la profession d'avocat, m'appeler maître me convient parfaitement. La défense des droits fondamentaux a été un élément déclencheur pour moi dans la participation au concours donc de recrutement des avocats. Parce que dans nos milieux, dès que j'ai pu avoir la maîtrise en droit, la sollicitation de part et d'autre, que ce soit des amis ou des parents, pour leur servir de conseil en matière judiciaire et juridique était déjà très grand. Et j'ai voulu donc embrasser la profession d'avocat pour être plus utile à ma famille, à mes parents, à mes amis, à la société et pour défendre en un mot la veuve et l'orphelin. Alors, la place de l'avocat est incontournable dans une société. Ce n'est pas que la société burkinabé. Dans une société, la place de l'avocat est incontournable. Vous savez, l'avocat est un acteur plein de la justice qui contribue fondamentalement à ce qu'il y ait un rayonnement parfait de la justice dans tout état de droit.
Et le rôle de l'avocat est souvent méconnu de la société, pour la simple raison que la profession d'avocat ne fait pas l'objet de publicité. Dans nos règlements, dans nos lois qui régissent la profession d'avocat, il est interdit de faire la publicité. C'est ça qui fait que le citoyen lambda n'a pas facilement connaissance parfaite de ce qu'est l'avocat, son rôle, sa mission, sa place dans la société. Mais une fois que vous avez eu recours à un avocat dans une affaire quelconque, vous allez comprendre que le rôle de l'avocat est déterminant pour vous-même et pour la société. C'est la méconnaissance de la profession qui fait cela. Très souvent, on se donne une limite à aller vers l'avocat parce qu'on se dit ça va être coûteux et je n'ai pas les moyens de m'attacher les services d'un conseil. Alors qu'il y a plusieurs manières de s'attacher les services d'un conseil. Dans notre pays, il y a l'assistance judiciaire qui vous permet déjà de bénéficier de l'accompagnement d'un avocat et qui sera pris en charge par l'État. C'est ce qu'on appelle l'assistance judiciaire. Vous avez aussi la possibilité d'approcher un avocat et expliquer votre situation. Celui-ci va vous accompagner par le biais du social. Parce que dans tout cabinet d'avocat, il y a la prestation sociale que nous faisons. Ça veut dire qu'il ne faudra pas dire « je n'ai pas les moyens, donc je ne pars pas vers un avocat ». Il faut toujours aller vers l'avocat et exposer votre problème. Vous allez toujours avoir une oreille attentive qui peut vous accompagner à défendre votre cause de quelque manière que ce soit. Oui, des exemples, je dirais, malencontreux dans l'exercice de la profession peuvent décourager également certains citoyens. Mais je pense qu'il ne faudra pas que quelques mauvais exemples entachent l'image de toute une profession. Il y a aussi des exemples nobles que l'on peut citer qui donnent quand même une bonne image de la profession d'avocat et surtout ceux qui ont bénéficié déjà d'une mise en liberté comprendront que le rôle de l'avocat n'a pas de prix. Parce que comme on le dit, la liberté n'a pas de coût. Et à chaque fois que quelqu'un est en difficulté, vous allez voir que le réflexe qui vient, c'est de recourir à un avocat parce qu'on sait que c'est un défenseur qui peut vous libérer. Exercer la profession, c'est à la fois gagner. On a toujours l'ambition de gagner, mais il y a aussi des procès que l'on perd. Parce qu'il ne faut pas surtout se dire qu'une fois que vous avez perdu un procès, c'est la profession qui est ternie. Non. Il faut se demander comment a été la défense et quel était le dossier que vous avez en face. Parce que perdre un procès ne signifie pas forcément voir son client condamné. Souvent, la condamnation est inévitable. Mais comment alléger la condamnation du client? C'est ça qui est l'objectif. Donc, si perdre consiste à voir son client condamné, je dirais que ce n'est pas toujours une perte, mais plutôt alléger la condamnation du client, ça peut être aussi vu comme un gain. En tout cas, dans ma petite expérience, je dois dire que j'ai engrangé pas mal de victoires et c'est déjà une fierté. Il va être difficile de vous donner le quantum des dossiers remportés, des dossiers perdus, parce que j'en ai défendu par centaines. Donc, vous dire voilà le nombre de dossiers gagnés, voilà le nombre de dossiers perdus, j'avoue que je ne fais même pas ce point-là. À chaque fois que je défends un dossier, je lui donne toute l'importance qu'il faut, parce que les dossiers peuvent se ressembler, mais ils ne sont jamais les mêmes. La circonstance qui justifie un procès et justifie à la fois les moyens qu'il faut déployer pour défendre votre client. Ce fait que, à chaque fois que je sors d'un procès, je sors grandi parce que j'ai appris quelque chose et je me donne encore le devoir de m'améliorer pour les prochains procès.
candidat que l'avocat remporte un procès et que la presse s'y est mêlée, parce que vous n'allez jamais voir un avocat aller dire que j'ai gagné tel procès devant telle télé ou telle radio, ça ne se fait pas. Mais il y a des procès qui appellent à la couverture médiatique. Et c'est à ce moment-là que les médias peuvent relayer la sentence qui a été rendue. Et ça fait certainement honneur aux avocats qui ont été de la partie qui a remporté. Cela arrive très souvent, même dans nos juridictions au Burkina ici. Donc ça, ce sont des cas qui arrivent. Mais je ne vais pas vous donner les exemples qu'on peut citer. Complémentaire. Il n'y a pas d'antagonisme entre le syndicat des avocats et l'ordre des avocats. L'ordre des avocats, si vous voulez, c'est la maison des avocats. C'est le cadre qui régit le fonctionnement de la profession, qui organise les activités de la profession, qui recrute les avocats, qui les forme et qui les défend quand il le faut. Et le syndicat des avocats, lui, a pour mission de défendre, comme son nom l'indique, les intérêts matériels et moraux des avocats. Vous voyez, l'exercice de la profession d'avocat a de multiples contraintes. Si vous n'avez pas une organisation qui vous permet de vous défendre quand vous êtes dans le besoin, ça ne sera pas facile. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons et très souvent, il peut arriver des malentendus, des mésententes, ou des couacs qu'il faut gérer à tout moment. Nous travaillons avec les OPJ permanemment. Si vous n'avez pas d'encadrement, si vous n'avez pas de cadre de suivi et de conseil ou même de défense, le jour où vous avez des difficultés, ça va être difficile. Et vous avez dit d'ailleurs que la société ne comprend pas parfaitement la mission de l'avocat. S'il n'y a pas ce syndicat-là qui veille aux intérêts des avocats, il peut arriver des moments où l'avocat se verra piétiné dans ses droits et c'est la défense qui va en pâtir. Je crois que oui, avec la perfection des textes qui régissent la profession, on peut dire qu'il y a de l'amélioration. Lorsque on a des magistrats qui ont un statut qui leur permet d'exercer de façon indépendante leur profession, il y va de l'intérêt de la justice et du justiciable. Et l'avocat en profite largement parce qu'il serait à l'aise d'exercer sa profession devant un magistrat indépendant. Et aussi pour ce qui concerne les conditions de travail, que ce soit les OPJ, que ce soit les greffiers, que ce soit les magistrats eux-mêmes, lorsque vous avez des acteurs qui sont à l'aise dans les conditions de travail, vous allez sentir que le travail s'améliore. Mais quand les conditions de travail ne sont pas réunies, il y va de soi que le rendement aussi ne soit pas à la hauteur des attentes. Et pour ce qui concerne les avocats, vous avez constaté ces derniers temps qu'il y a eu des recrutements pratiquement chaque année pour augmenter le nombre d'avocats. C'est justement pour satisfaire l'offre en matière de défense et de conseil au bénéfice de la population. Donc je peux dire qu'il y a de l'amélioration. L'indépendance de la justice, comme on le dit, l'indépendance c'est d'abord dans la conscience du juge. Sinon, vous pouvez lui servir l'indépendance sur un plateau d'or, il peut choisir d'aller de l'autre côté. Donc, il faut peut-être apprécier selon le rendement de chaque juge, chaque magistrat, le résultat des procès que nous avons pour dire, voilà, nous avons une justice indépendante ou pas. Parce que les conditions matérielles ne suffisent pas toujours pour rendre une justice indépendante. Il faut des magistrats professionnels, consciencieux, déterminés et qui ont la volonté de rendre la justice au nom et au bénéfice du peuple.
On essaie d'organiser comme on peut. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une maîtrise de son emploi de temps. Et c'est là qui va permettre donc de pouvoir exercer les activités que l'on choisit avec vraiment une grande détermination. Parce que le temps, il ne suffit jamais. Mais si nous nous organisons, nous allons peut-être pouvoir faire l'essentiel. Dans tous les cas, on ne peut pas tout faire. Donc, à un moment donné, il faut faire le choix des priorités et essayer de les satisfaire. Je dois dire que servir son semblable, c'est toujours un plaisir pour moi. Et tant que je peux, pour ce qui concerne le volet social, il y a toujours des sollicitations. Souvent, nous pouvons ne pas être à la hauteur, mais nous essayons toujours de faire de notre mieux. Mais honnêtement, servir son semblable est un plaisir. Donc, il n'y a pas de retenue à ce niveau-là pour moi. Seulement, nos moyens sont souvent limités, ce qui fait que nous n'arrivons pas à satisfaire la demande à tout moment. Mais nous essayons en tout cas toujours d'être présents quand on nous fait appel et d'apporter le peu que nous pouvons pour peut-être soulager un tant soit peu ceux qui sont dans le besoin. Je dois dire que la profession d'avocat, à l'étape actuelle, me tient. J'ai des ambitions, j'ai des objectifs à satisfaire dans l'exercice de cette profession. Je crois que je suis encore jeune et je peux donner le meilleur de moi. Donc, je ne dois pas dire que je suis déjà fatigué de la profession. J'apprends également dans la profession. J'ai la volonté de découvrir encore davantage et pourquoi pas de contribuer au rayonnement de la justice dans mon pays. Donc, je dois dire que le projet phare actuellement, c'est d'agrandir, je dirais, de grandir dans l'exercice de la profession et contribuer à amener d'autres jeunes frères à embrasser la profession d'avocat pour que nous puissions ensemble défendre la cause de la veuve et de l'orphelin et promouvoir à la prospérité économique de notre pays. Parce que, comme on le dit, les investissements qui ont lieu dans les différents pays ont besoin d'une sécurité juridique et judiciaire. Et les investisseurs ont besoin d'être assurés qu'ils ont de bons conseils. Et un bon conseil, c'est celui-là qui a la maîtrise du droit parce que tout simplement il est bien formé et qu'il est pétri de talent et d'expérience. Je dirais à tous ceux qui veulent embrasser la profession d'avocat qu'il suffit de se former, d'avoir le diplôme requis et de bien préparer le concours. C'est un concours qui est organisé pour tous ceux qui sont détenteurs d'un diplôme requis. Alors, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui veut embrasser la profession ne puisse pas le faire. Il faut accepter d'aller à la compétition, hein, mettre toute la chance à votre côté, bien sûr en soutien, donc en ayant les bases requises pour que vous puissiez donc être déclaré admis au concours. Et j'avoue qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que ceux qui veulent vraiment embrasser la profession d'avocat, qu'ils s'y prennent tôt et qu'ils se préparent à temps.